Hello BETC, moi c'est Elisa et moi c'est Chloé. Alors moi je suis conceptrice rédactrice et je suis en team avec Chloé. Et moi je suis directrice artistique et bah du coup en team avec Elisa évidemment. Alors moi je pourrais pas dire qu'il y a eu un déclic en particulier, mais j'ai toujours su que je voulais faire un métier dans l'écriture, mais je voulais pas être scénariste, je voulais pas être auteur, je voulais pas être journaliste. Et puis en fait la pub est arrivée à moi et puis dès que j'ai commencé à me renseigner, j'ai tout de suite accroché. Alors moi, ma campagne coup de cœur, c'est Nike Dream Crazier avec Colin Kaepernick, qui m'a donné en fait envie de travailler dans la pub, tout simplement. Bah déjà, faut être créatif, hein, ça aide. Non, bah faut être curieux, faut être un peu arty, pour mon milieu. Faut être résistant au stress et faut pas avoir peur de bosser. Ouais, vraiment. Bah, c'est comme un vieux couple, enfin, on s'engueule, faut faire des compromis, mais à la fin on se réconcilie toujours, donc c'est cool. Et on s'aime un peu quand même, on se tolère. Alors, les Young Lions, c'est une compétition qui est organisée tous les ans durant le Festival de Cannes, qui est réservée aux jeunes publicitaires de moins de 30 ans. C'est intense, c'est pas drôle, ça peut être drôle, mais c'est pas toujours drôle. Tu dors pas beaucoup, tu manges peu. Tu bois beaucoup de Red Bull. Tu bois énormément de Red Bull. Ouais. Déjà, c'est des rencontres. Famous, parce qu'en fait, tu croises tout le gratin de la pub que depuis des années, t'as envie de rencontrer. Mais en fait, tu le croises sur le passage, t'as pas le temps de tchatcher. C'est juste, waouh, c'est lui. Et puis, c'est de la frustration un petit peu quand même.